crois aussi que on est là aussi pour faire un peu rêver les gens, et c'est vrai que les success stories, c'est, ça peut donner envie à des jeunes. Chérie, bonjour Maya, bonjour Denis, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Allô ? Allô, c'est Barbie Chétif à l'appareil. On se retrouve dans les conditions du direct et de la découverte pour cette 1795e revue de merde avec un jeu qui n'est-il pas au merdique du toutou. Puis il s'agit de ce qui était écrit à l'écran. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Alors aujourd'hui en plus c'est le moment parce que... Oh yeah ! Je suis... Je commence à avoir les érections du chéquier. Oh yeah! Attention, ça monte là. Oh putain, ce con! Oh putain, ta gueule! Putain, c'est pas lui, on va enlever le son là. Oh my dear! Ah! Oh putain, ça fait con! Ta gueule! Putain, mais en plus, ils nous le mettent en entier! C'est quoi cette merde? Y a pas option! On peut pas enlever le son! Putain, mais enlève-moi cette merde! Ah, ma chère, là, ça fait con! Alors, on va prendre qui? Putain, on peut pas baisser le son de cette merde! Ta mère! Oui, allez, on va prendre l'Argentine contre le Danemark. Oui, bon, allez, ok. Ah, c'est quoi ça? Alors, j'ai la notice, hein, le jeu. On va mettre des effets, gardien, penalty. Ben oui, on met tout. Sinon, c'est pas marrant, choix du pied, non. On va pas aller jusque là. Donc, le jeu s'appelle Actua Soccer. On va se mettre en amateur. Ouais, c'est un peu, il y a tout au pied, quoi. Ouais, ok, parce que là, hein. Il va fermer sa gueule, le mec. C'est Roby, là. Putain, c'est horrible. Je suis sûr qu'on n'a pas ça dans le truc. Hein. Bref, alors, je suis super ému parce que j'ai deux invités de marque qui vont à... Voilà, j'ai avec les... Alors, c'est le déconfinement, mais on a gardé un petit peu les bonnes habitudes professionnelles. C'est-à-dire qu'on passe par webcam. International en webcam. Et donc faites un temps splendide pour ce ouais match. Alors c'est qui fait, putain, c'est mon Pierrot. Là ça va être, putain, là c'est 3, le combo 3. Il y a Pierrot, Pierre Sled, putain. Batistuta. Oh putain, le jeu il est, et l'arbitre, eh ben oui, il est joué. Alors moi je suis les bleus. La qualité des passes est proche de la... Bah attends, on n'a pas encore fait de pas. Vivas. Oh, il y a... Oh putain. Et il reçoit un carton jaune pour... Mais qu'est-ce que j'ai fait, Ké? Tu m'as vu où? Oh putain, il y a le pénalty. Alors on est dans le jeu. Putain, mais bouge ton cul. Alors le jeu est très statique, il me fait penser à European Club Soccer sur Mega Drive, c'est-à-dire que le personnage... Le ballon n'est pas collé au personnage. Il faut que le ballon reste toujours collé à celui-ci. Parce que sinon, on perd la balle. C'est vraiment très spécial. Et voici le premier but. 1-0. Ouais, là. Batistuta. Avec Cron. Ah, avec Cron, il perd la balle. Non, avec... Il perd un peu trop facilement la balle. Oui, ben, merci Pierrot. Alors, est-ce que carré, c'est pour tirer? J'ai la notice, mais c'est tellement mal fichu, les pontes. Oh putain, mais c'est quoi? C'est avec... Voilà. Sound. Avantage. Ah voilà, c'est ça, c'est carré. Putain, voilà. Ah. Ouais. Oh yeah. Putain, ça va être dur. Allô? Allô? Allô?
Belle intervention. Toi et par là, toi, toute ta communauté de Covid. Putain, attends deux secondes. Oh putain, attends, Atomium. Oh putain, l'arrêt du goal, c'est moi. Penalty, qu'est-ce que j'ai fait? C'est lui qui tombe. Il a pas la balle. Je l'ai pas gêné. Oui, oh putain, attention. Avec carré, je... Et là, il tire au milieu. Je... Putain, c'est pas possible. Il y a trop d'émotions. J'ai trop de choses à gérer. Vraiment, il a fait une papa Lenka. Oh putain. Et 2-0 pour l'instant. Le buteur a marqué beaucoup de buts. Merci Zizou, merci Zouzi. Hop. Il y a un bouton turbo ou pas? Alors des fois pour prendre la balle, il faut juste se mettre contre le personnage. Et ça passe. Hop là, boum. C'est le roi du... Le gardien a très mal dégagé. Eh ouais, mon Pierrot. Oh putain, il y a des marques au sol. Comme s'il y a des rapages. Pousse-toi! Oh, quelle superbe passe. Oh putain, le goal. Hop, 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 hop. Oh! Oh! Actuel son carton restitue à la perfection le meilleur du football. Vivez des actions à 100 à l'heure. Plus vrai que nature. Et ouais, putain, merci. Plutonium d'être venu parce que là j'ai besoin, parce que moi je suis complètement largué là. J'ai mon Pierrot, j'ai Zouzi et j'ai toi tout en même temps là. Je vous dis que c'est dur à choquer. Et Hattrick pour Ford. Un sacré coup de chapeau. Chapeau. Hop. Et on construit. Voilà, on construit. Ouais. Oh putain, mais qui sait pas que son bouton. Aïe, laisse jouer, gros con, allez! Très bien. Putain, mais fais-moi la passe! On prend lui le cul! Gaillardo. Baptiste. Voilà, tire! Ortega. Oh putain, merde. Ouais, non, mais c'est comme European Club Soccer. Hein. Ortega, c'est bien ça. Bien dégagé. Attention. Moller. Je sais. Stop. Alors, on regarde la notice un petit peu parce qu'elle est tellement mal faite. Que c'est chiant à. Oui, j'ai aussi le thé à boire, donc c'est, on s'en fout. Déjà, rien que pour savoir quand on tire, quand machin, option de jeu, c'est toujours pas marqué. Hein. Ah, la notice. Alors, les touches, ça arrive à partir de la page 23 d'une notice. En possession du ballon, la passe c'est avec X, le carré c'est tir, passe longue, triangle, une avancée, ouais, on fait une passe à soi-même. L et R modifiés à gauche, ça c'est on met les effets. Une 2 sauter, L2. Option de jeu avec Select. Alors, est-ce qu'on peut changer la caméra? Parce que ça, c'est les jeux. Voilà, on peut changer la caméra. Ben, merci. Voilà, là, on est les vrais jeux 3D de l'époque. Epic du Poc, Epic à Pac. On avait ça. Après, on l'a perdu. On peut faire les caméras touche. Ah, j'en profite pour boire mon thé. Du coup, on peut nous faire. Voilà, on peut se faire un jeu. À la kick-off. Voilà, on a un kick-off intégré. Sensini. Hop là. Ils ont beaucoup de réussite pour le moment. Yeah, putain, alors là. Oh putain, c'est pas possible là. Il a très mal ajusté son tir, pas d'inquiétude. Le tireur a raté son tir. Ah, c'est chaud là. Alors il y a un radar, le jeu est pas trop mal foutu. Une balle très bien placée. Elvec. Ah oui, quand on appuie. Oula, quand j'ai appuyé sur R, et en fait, ça fait. La balle, elle passe tout à droite, quoi. Il faut regarder où va la flèche, en fait. Alors là, c'est bien fait. Parce qu'il y a des jeux où je me plains. Je dis, quand on n'a pas la balle, c'est en pointillé. Et quand on l'a, le disque est plein. Quelle boulet de canon ! Le disque est plein. Et alors, juste regardez la manette.
Est-ce qu'on peut changer les options du goal? Non, on peut pas. Une fois que c'est fait, on va laisser le pénal. Ouais, voilà. On va. On peut pas là. On va changer. On va faire une tactique du gendarme. Alors. Moi, je veux pas ça. Voilà, je veux ma tactique. Alors, on fait un 5-3-2. 3-5-2. Là, il faut tout mettre en attaque. Je m'en fous. 5-1-4. Oui, voilà. 5-1-4. Là, alors là, on va. Marquage à la culotte, vidéo-jeu. Passe. On fait des passes, oui. Marquage. Zone. Marquage. Zone. On fait zone, 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 zone. Et on va tout à l'attaque. Voilà. En avant. Oh, c'est bon. L'entraîneur a décidé de changer. Voilà, merci Pierrot. Attends, start. On va changer de caméra un peu. Changer de caméra. On teste, hein. Caméra but, caméra gauche, caméra zoom. Voilà, zoom touche. Ça va être bon. On va rien voir du tout et c'est ça qu'on aime. On sait pas à qui. Putain, voilà, là on voit des gros. J'espère que la seconde période. Ouf, voilà, ça c'est un jeu qui est généreux en truc. Alors on profite de la truc. Dis, j'ai tout le monde sur le plateau, c'est compliqué. Hein. Plutonium, c'est à toi. Vas-y, envoie le bousin. Barbichitif, et par là, toute ta communauté de communes des gaveurs du cœur de la balle, sache que Actua Soccer 3 est un jeu de réalisme incroyable, avec plus de 450 équipes nationales et internationales. Plus de 10 000 joueurs à votre disposition. 25 championnats dans le monde entier. Des options pour personnaliser coupes et championnats. Un système interactif de commentaires et de réactions du public. Créez votre équipe de super champions grâce à l'équipe, l'éditeur d'équipe. Attends. Oh attends, merci. Non, désolé, j'aime pas te couper parce que je sais que j'ai beaucoup de respect pour toi. Pousse-toi! On voit rien! Oh putain, ça c'est moi au goal! Ouh, yeah. J'ai toujours pas compris comment. Aïe! C'est moi le goal! Corner! Le système de capture de mouvement en 3D est le plus réaliste jamais utilisé dans un jeu vidéo. Ah putain, ouais, c'est vrai, là ça se voit. Hein. Alors je vais vous dire après quand le jeu est sorti. Pousse-toi! On n'y voit rien, j'adore, j'y vois rien. C'est le but, sinon il n'y a pas d'enjeu. C'est de se mettre des. Aïe! Oh putain! Oh putain! Possibilité de choisir entre trois vitesses de jeu. Oula, merci Plutonium. On va mettre les vitesses de jeu. Vitesse de jeu. Où c'est vite. Ah, attends, non. On va remplacer. 5-0, il faudrait un miracle pour qu'il puisse remonter. On va remplacer lui avec. Ouais, parce qu'il a les cartons, on va se prendre un carton, on met tout, voilà. Avec Crespo. Rentrer, mais pour remplacer qui? Et mon Pierrot. Mais après, ah, lui, il est claqué. Et Pineda, il est claqué. Klinger va mettre Balbo. Je crois qu'il va bientôt y avoir du changement. Et voilà, allez, on est tous claqués là. C'est bon. Moi je veux. Ils disent qu'il y a trois vitesses de jeu. Alors c'était peut-être dans la partie principale. On va se mettre une caméra corbe là. Baptiste. Allez, on construit. On construit. Pousse-toi! On construit, voilà, tranquille, Bilou. Putain, j'allais tirer et mettre un but. Hein. Alors, c'est X pour donner un petit croche-patte. Croche-patte. Hein. Ou croche-patte. Ouais, mais là, on met tout en attaque, allez, hop. Là, je n'y vois rien. Baptiste. Passe, cousin. Moller. J'essaye de vous construire un truc. Belle passe, c'est. Putain! Bon cache aussi, Pierrot! Putain! Mais non, c'est jamais fini, Pierrot! Tu le sais, t'as présenté l'été de tous les records. Alors lui, on va faire, oui. Allez, là, tant pis, c'est les vacances, on est.
Et oui. Didier Lecomte. Et là, il s'agit en une minute de rentrer le plus de fois dans un maillot de bain et de ressortir le plus de fois. Et après 7 semaines de compétition, ils sont deux. Qu'est-ce qu'il fout lui? Là, on va se faire plaisir. C'était la dernière de Bourdin. On va se rappeler au bon souvenir. Non, on va faire la passe à lui. Voilà, fais la passe. Fais la passe. Simeone. Tiens. Oui. On va faire la dernière, c'est ça. Toutes les émotions que j'ai avec Pierre Sled. C'est un gars que j'ai découvert avec l'été de. Oh, goal manuel, hein, je préfère le dire aux gens. Pff, il simule, qu'est-ce qu'il a fait lui? L'arbitre il a rien dit, il prend le ballon, c'est lui qui le met. Tiens, mais ils font que des tirs au milieu, ces couillons. Et donc Pierrot, je l'ai découvert avec l'été de tous les records. J'ai adoré 2 années de suite. Putain, c'était la. Là, c'était la vraie télé qu'on aime. Il n'y avait pas encore la TNT, mais c'était déjà l'esprit du tout début quand on avait la possibilité de faire tout ce qu'on voulait. Là, on était chez nous, quoi. C'était le temps béni des colonies, toutes ces conneries. Ah oui, quand on appuie trop longtemps. Ah ouais, alors. C'est vraiment du grand football. Du grand football, putain, on se fait mener 6-0, pauvre con. Et après, moi, j'ai suivi un peu sa carrière. Après, on l'a perdu de vue, j'avoue, pendant 1 ou 2 ans, là, on l'a plus vu. Et après, il a rebondi. Et il était journaliste de talk show à LCP, la chaîne parlementaire. Putain, ça c'était bon. Et le mieux, là, c'était le sommet de sa carrière. C'est quand il a. C'était énorme. Cette chaîne, parce que. Mais là, ils font plus. C'est ça qui est dommage. Putain, on parle de foot, hein. On est là. On va changer de caméra. Non! Changer de caméra. On va faire la vue. Touche. Pousse-toi. Dans la surface. Personne à la réception. Très bonne intervention. Et donc, si vous voulez voir, c'était énorme. C'était un entretien d'embauche. Quand ils ont demandé à. Ils ont changé le président de. Ben à la fois de Public Sénat. Putain, on n'y voit rien. Public, Ayrton Senna. Et on va remettre la vue normale. Hein. Allez, on. Diagonale. Bref, il y avait l'entretien d'embauche du nouveau patron. Et donc j'ai vu Pierre Sled alors qu'il avait fait l'été de tous les records. Et puis il se l'est joué, il était comme les ministres de maintenant, quoi. Il venait avec le costard et tout pour être président d'une chaîne. C'était énorme. Et il y croyait. Et les gens en face, c'était des hommes politiques en plus. C'est ça qui était bonnard. C'est que c'était les. Qui choisit. J'aurais dû faire une vidéo entière sur ça parce que. Là, on a l'impression qu'il fait pas la passe, ce jeu. Et donc, je suis obligé d'appuyer 2-3 fois sur X, et c'est pour ça que ça fait le 1-2-1-2. Ça enchaîne les passes. Ça, c'est chiant, quoi. Okay, on a perdu. Putain, on n'a pas le temps avec tous les trucs que j'ai. Bah ouais, donc, d'accord, oui, non, oui, d'accord. Plutonum, je te laisse. Oui, tu dois y aller. Je voulais dire un dernier mot sur ce jeu. Oui, Barbichetif. Tu as Soccer 3 et tu devras habiliter de jeu bientôt légendaire. D'accord. Oui. Eh ben, ciao Pipito. Voilà, on va faire un autre jeu. On va faire autre chose. Ah, il relance. Putain, je me suis loupé, j'aurais dû. Allez, on va mieux jouer. On va mieux jouer. Hop là. Je n'y vois rien là, on peut avoir une caméra normale. La caméra. C'est quoi la caméra normale hein? Parce que là, je suis vraiment mal foutu, les potes. Caméra libre, allez, on s'en fout, pousse-toi. Moller. Mais ouais, que là, dans ce jeu, ils ont compris, il n'y a pas besoin de duo. Mon Pierrot, il gère la baraque tout seul, il n'a pas besoin d'un truc. Zanetti. Simeone. Ouais, personne, c'est bon. Foutez-moi la paix là, les cocos là. Putain, tire. On n'y voit rien, putain. Quel placement parfait sur cette. Ouais, place. Donc, oh putain. Oui, hein. Et donc, caméra but. Non, bon, coco, on est là pour tester les jeux donc. Hop là, caméra but. Beau dégagement, il garde le ballon. Garde le ballon pas longtemps. Long
Attends, on n'y voit rien. On n'y voit rien à cette caméra. Oh, allez, cours. Ouh, là, c'est pas moi qui ai tiré, mais le but, il fait... J'aurais dû mettre la caméra normale parce que là, je n'y vois rien. Putain, 200 mètres touche. Ah, mais là, on n'y voit rien. Ça, c'est bon, ça. J'aurais dû regarder autour de lui avant de tirer. Putain, vous avez vu, il a fait la talonnade. J'ai appuyé deux fois sur X et il fait la talonnade. Ça, c'est bon. Non, il est pas mauvais ce jeu. Hein. Il est plutôt rigide au départ, mais pour un jeu de foot. Alors, lui, je l'ai acheté comme c'est les jeux actuels. J'ai dû l'acheter 50 centimes il y a très longtemps. Donc, c'est un jeu qui est rigolo parce qu'il y a Pierrot. Ça déjà c'est la bonne ambiance. Attends. Là je veux faire une vraie caméra parce qu'on veut marquer un but. Parce que si c'est pour pas marquer de but. Ah putain, un beau jeu. Vite. Simeone. Il est tout seul. Oh putain, mais alors, par contre c'est chiant pour viser. On sait jamais où c'est qu'on est quoi. C'est mal fait leur truc. Et donc j'en termine. Il a fait sa... Comment ça s'appelle? Son casting, je l'appelle ça un casting, mais son entretien d'embauche télévisé, c'était les ministres. Non, plutôt les députés. Qu'est-ce que j'ai fait? Les députés qui devaient vérifier, donc ils posaient des questions, ils sont restés sérieux, et lui, il a inventé, il avait l'air de dire que, bref, alors là, par contre, on va faire essayer de faire un... Avec... Là, j'ai appuyé à fond et j'ai laissé sur R, mais en même temps, j'ai pas mis assez de puissance. Et donc c'est ça qui était bon, c'est que... Par contre la maniabilité elle est vraiment pas top. Hein. Ah là on y voit mieux, là on y voit mieux. Oh yeah. Putain c'est bon celui-là, putain. Lucarne, alors là prenez ça dans la gueule. Qui c'est qui a mis le but? On va voir. Revoyons la scène au ralenti. Yeah, Véron. En hommage à notre ministre de la Santé qui a fait un boulot exceptionnel. C'est exactement ce qu'il fallait. 1-0. Il n'y avait aucune pénurie de masques, il paraît. Putain, c'est moi qui marque. Pousse-toi. Ah là, c'est la bonne caméra. Vous voyez, j'ai fait un match. C'est la première fois que je joue à ce jeu. Ça y est, j'ai compris tous les mécanismes. Pousse-toi. En hauteur. Pousse. C'est dangereux. Et merde, putain. Putain, si Pape Diouf était encore là. Et donc voilà, il a passé son entretien d'embauche, il y en avait eu d'autres. Et c'était énorme quoi, moi j'ai passé un... Ça c'était les bonnes journées où j'étais... Oh putain, où j'étais encore j'étais en chômage, oui, parce que j'avais déjà fumé 3 ans de femme de ménage. Et avant de faire mon nouveau job... Oh putain, vous avez vu ça? Oh yeah! Alors là, en fait, j'ai appuyé sur carré, j'ai léché et après j'ai mis le R. R1. Attends, on va faire un ralenti. Regarde-moi ça! Ah merde, ils font le ralenti de ça, pas d'avant. Ça, c'est nul. Allez, la passe est là, tu tires. Oh putain, et la défense au deuxième poteau, au premier poteau. Ah non. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas moi. Ah merde! Pousse-toi, putain. Alors il n'y a pas de bouton turbo pour courir plus vite. Belle tentative, mais il n'y a personne. Mais c'est pas moi qui ai tiré. Pourquoi il dégage ce con de goal? Et depuis, j'ai plus de nouvelles de Pierrot. Hein. J'ai l'impression qu'il a très mal vécu de ne pas avoir été pris. Baptiste. Pourquoi il refait la passe? J'ai appuyé. Bien vu. Oh putain. Hop. Oh. Et merde. Voilà, j'ai gagné. Oh merde, un partout. Fait chier. Alors là, j'en profite pour regarder juste un petit peu. La notice, page 23. Alors, quand on n'a pas le ballon... Eh ben, il n'y a pas marqué. Quand on n'a pas le ballon, déplacement du... Tacle, c'est avec X. Coude, c'est avec carré. Tacle glissé, c'est avec triangle. Ah, ça va être bon. Accélération avec rond. Ah, ok, c'est un turbo. Sélection du joueur avec L2. D'accord. Donc, moi, il faut que j'apprenne rond. Rond, c'est pour accélérer. Ok.
et L2. Pousse-toi. Voilà, mais là je vois personne là. Passe. Oh putain, c'est quoi cette caméra? Y a pas une caméra normale? Voilà. Oh yeah. Pousse-toi. Oh putain, il est chaud là, il y avait un enfermé, j'y voyais rien. Il a mis un but ce con. Oh, il est rigolo, hein. Je vous dis 50 centimes un jeu comme ça, c'est tout bénef. Hein. Ah oui, alors j'ai une petite info. Ben non, parce que je vais. Non, c'est pas grave, parce que je crois que je vais la mettre en vidéo. Oh putain. Les angles, c'est dur. Hein. Attends, puis je vais dire là en vidéo parce que j'ai fait une vidéo spéciale, mais j'étais tellement mal faite, il n'y avait pas d'émotion. Là, je vais essayer de la refaire. Alors, je suis dans un magasin. Oh putain, ouais, là c'est mal fait. On croit qu'on a la balle, en fait, on l'a pas. Aïe. Fais la passe à lui. Et fais la passe à lui. Toi, tire. Oh putain, c'est pas possible là. Hein. Alors, je suis dans un magasin de Bourges de jeux vidéo. Un truc, c'est les indépendants qui sont tellement indépendants que. Ils sucent, je sais pas quoi là, ils sont indépendants. Bon. Véronne. Véronne, c'est Roméo et Juliette. Spécial dédicace ça aussi. Véronne. Et merde, putain, si le tac il marche pas. Tiens, c'est toujours ce con de sang de. Et nous voici donc à 2-1. Oui, ça va, on fait pas tout un fromage de chèvre. Allez, Gaillarde, passe. Putain, mais passe à moi, j'étais à côté. Passe à lui, voilà, passe à lui, fais la passe. Ah oui, il perd le ballon si on va dans l'autre sens. Pousse-toi. Oh merde, pourquoi il a tiré? Bref, alors je vais dans le magasin. Il y a un mec qui vient là, qui dit au vendeur. Alors le vendeur, c'est comme... c'est les mecs qui vous font tellement des sourires, on dirait qu'ils veulent vous faire une... C'est les faux sourires d'hommes politiques. On dirait qu'il va vous faire un blowjob. Et au final, il vous achète le jeu à 1€ et il le vend 10 fois plus cher dans sa boutique de pute. Et donc, il y a un mec qui vient qui dit « Ah, ma manette, elle marche pas, je sais pas quoi. » Et bon, le mec, il lui dit « Ah, mais revenez, gna gna gna. » Mais en fait, il lui fait rien, quoi. Et là, après, il dit. Et l'autre, il lui dit bon, ben, le vendeur, il lui fait bon, ben, le jeu, là, on le met en dépôt-vente, qu'est-ce qu'on fait? Oh, putain, on fait quoi? On le met en dépôt-vente? Le mec dit non, c'est cadeau. Voilà. Donc, c'était un petit fils de pute de Bourges qui a un jeu. Je vous dis le jeu après, vous allez voir. C'est un petit fils de pute qui donne un jeu à une boutique d'encore d'un autre fils de pute de Bourges. Donc voilà, on entretient que les trucs. Le mec, il dit non, c'est cadeau. Et le jeu, c'était F-Zero GX sur GameCube. Vraiment que des cons, ces mecs, c'est pas possible. Putain, j'en marquais pas de but. Hein. Je vois pas, je trouve que le jeu, je suis sérieux sur le jeu, mais au niveau des angles pour tirer, on est trop loin. C'est pas très précis, on sait pas. Il y a des jeux où il y a une estie de flèche pour vous dire la trajectoire un peu. Là, je trouve que c'est pas clair. Bon, après, c'est plutôt dynamique. Hein, et j'ai laissé la version normale. Le jeu est plutôt rapide. Et c'est, vous voyez qu'il y a plutôt des rebondissements parce que c'est pas toujours la même chose. Quoi. On peut bien. Je trouve que on peut bien se balader dans le jeu. Bon, après, je connais pas tout. Mais... Voilà, bref. Merci Zizou. Merci Zouzi, pardon, pour les problèmes de droit. Le buteur a marqué beaucoup de buts. Oui, effectivement, Zouzi, tu nous fais... Je crois que c'est le meilleur résumé qu'on pouvait faire. Donc le jeu, je vous le recommande, si vous le trouvez comme moi, 1€ ou 50 centimes. C'est tout bénef. Après, si vous n'avez pas de culture, vous n'aimez pas Pierre Sledge, pour rien pour vous. Alors il y a Infogrames, il y a Gremlin, et voilà. Dans la truc Actua Sports, dans la gamme des Actua Sports, je trouve que c'est le moins pire. Retour interface. Alors, est-ce qu'on peut faire... On peut pas quitter, c'est impressionnant, on peut pas quitter. Hein.
J'ai fait retour à interface, on peut rien faire. Bref, le jeu là est mal foutu les potes. Sur ce, ciao Pépito pour une prochaine vidéo et à plus mes puces.